Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon Let's Play sur le jeu Zelda Link's Awakening. Dans le premier épisode, je vous avais laissé, on venait de finir le premier donjon, et comme promis, dans cet épisode, on va attaquer le second donjon. Allez, c'est parti! Donc, ah oui, bah oui, forcément, ça me remet à la dernière porte que j'ai quittée, et je suis con, j'aurais dû quitter ailleurs. J'aurais dû rentrer dans une autre maison... Ça aurait été plus simple. On va revenir. On se rappelle que le... Il y a des moblins qui ont... Voilà. Oui, je sais. Il y a des moblins qui ont capturé le toutou. Le madame toutou. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer un petit truc. Par ici. Ah, c'est juste au nord du... Dans le village. Il y a un pêcheur. Ce pêcheur, en fait, on va peut-être un peu jouer au mini-jeu. Ça coûte rien. Enfin, si ça coûte rien, ça coûte 10 rubis. Alors... Voilà. En gros, faut aller chercher des poissons. Voilà. Ah, putain. Donc là, on va ramener un poisson. Celui-là, il fait 5 rubis. Et en fait, celui qui est au milieu à droite, le gros au milieu à droite, donc le plus gros à droite, il a un quart de cœur à l'intérieur. Du coup, on va essayer d'aller chercher. Donc, le moyen le plus simple... C'est très clairement de... Ah non, merde. Le moyen le plus simple, c'est très clairement de tirer le plus fort possible et d'aller virer celui du bas, le gros du bas, pour ensuite retirer tout doucement pour aller chercher le plus proche. On va... Ouais, il est chiant, c'est pas des dialogues qu'on peut passer. Alors, on va le laisser couler. Si tu pouvais ne ferrer que le gros... Voilà, on va tirer. C'est quand même vachement plus simple avec la souris. Je me rends compte, cliquer comme un taré dessus. C'est pas très compliqué quand on a une souris. Voilà. Donc là, on récupère un petit peu notre mise. Voilà. Je veux juste aller chercher un quart de cœur. Parce que si je me souviens bien, il y a moyen de se retrouver avec un cœur en plus à la deuxième cave. Sans même avoir fait un boss. Voilà, le tout, c'est de ne pas... Allez chercher le poisson du milieu. Le petit poisson du milieu, sinon tu sers à rien en fait, sinon c'est débile. Merde, j'ai été trop énervé. Bon bah voilà, je vais aller cleaner la mare. Ça fait partie de ces mini-jeux qui sont sympathiques et finalement qu'on apprécie pas mal. Hein. Ça paye pas de mine, mais c'est toujours un peu drôle. En plus, il y a un petit truc à la clé. Putain, pourquoi j'ai tiré aussi fort? Donc là, on va faire la technique. La technique. On va chercher le gros. Allez, réveille-toi, il est juste devant ton nez. Parce que plus ça va, en fait, moins on arrive à le rapprocher, le fer. Voilà. Eh ben mon cochon, tu m'auras énervé. Allez. Hop, on va dire non. Voilà, donc j'ai un quart de cœur en plus. Ça c'est fait. Il y en a un autre auquel on peut accéder. D'ailleurs, on va aller le chercher. On l'a vu dans l'épisode précédent. Il est assez simple d'accès d'ailleurs. Il suffit juste d'avoir la plume. On va retourner du coup en fait du côté de la sorcière. C'était par là. Hop. Non, c'est pas par là. La sorcière, c'est par là-haut. Hop. Hop. Je suis foncé droit dans le moblin. Oula, j'ai failli me prendre la flèche.
Hop, voilà. Donc, 3 fragments de cœur. Non, ici c'est autre chose, c'est sympathique, mais c'est autre chose. Alors, là il y a les marais à gauche, on peut pas, enfin on peut y accéder, mais on va être vite bloqué parce qu'il y a des grosses, je vais vous montrer, normalement on peut les voir. Vous voyez les grosses plantouilles qui s'ouvrent, bah là déjà c'est la cave en fait, c'est le donjon. Les grosses plantouilles, on peut pas aller les chercher parce que merde. Parce qu'en fait c'est le chien qui peut les manger. C'est un chien herbivore, oui. Là c'est le haut de la... c'est les montagnes. On doit pouvoir y accéder d'ailleurs à ces montagnes déjà, on doit pouvoir accéder. Photo. Alors ça c'est nouveau, je connais pas du tout. J'adore prendre les gens en photo, puis-je te tirer le portrait. Si tu veux, va au fond de la salle et fais face à l'écran. D'accord. Fais-moi ton plus beau sourire. Quel est ton nom, jeune homme? Zelda. Ouais, c'est vrai que j'ai appelé Zelda comme un con. Ah, je découvre. Hein. Voyons si nous pouvons remplir cet album. D'accord. Les voyages de Zelda. Veux-tu regarder ton album? Oui. Quelle photo veux-tu voir? Donc en fait, il va falloir aller chercher des gens. Ah. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ces oreilles d'éléphant. Eh bah putain. Donc en gros, il va falloir aller chercher des... Eh, oh, tu veux pas... 11 photos à prendre. Quel type de photo t'intéresse? D'accord, donc en gros, il va falloir aller chercher des gens pour tirer le portrait. Ouais, là, c'est les corbeaux. Je suis près du plateau Tartare, voilà, c'est ça. Ici, on est dans le plateau Tartare. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ici. C'est la... truc des mobs, là. Hop. Voilà. Ah oui, c'est vrai que le toutou il appartient à Madame Miao Miao. Je suis con. C'est pas très compliqué hein, comme boss. Il est juste un peu long. Voilà. Non, reviens là, la fée. Voilà. V'là Toutou. J'ai trouvé Toutou. Alors là, du coup, il nous suit. Enfin, il nous suit. En tout cas, on le tient en laisse. Ça devait être un bon cancer à programmer, là, la laisse. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est vraiment que ces trucs-là, ça tient sur un mouchoir de poche. C'est-à-dire, ce jeu-là, il tient sur rien du tout. C'est sur quelques kilo-octets. C'est vraiment pas beaucoup. On va le ramener. Voilà, il a tendance à bouffer des... voilà, des ennemis. C'est pas inintéressant. En fait, il a tendance à tout bouffer. Donc, il est pas vraiment que herbivore. Il est aussi monstroivore. Je sais pas s'il mange les chats, je crois pas. On va le ramener à Madame Miaou Miaou. Et normalement, elle nous dit ok, tu peux le garder pendant quelques temps. Le temps d'aller le faire. D'aller faire une balade. Ah, tu m'as ramené mon toutou adoré. Quelle joie. Et en plus, tu veux aller le promener? Oh, cela m'arrange. Du fond de mon cœur, merci. Voilà, donc on va aller se promener avec. On va tranquillement aller du côté du marais. Donc on va passer par là parce que c'est l'accès principal est par là. D'ailleurs, il y a un autre morceau du plateau Tartare. Ah, c'est à qui déjà? Ah oui, c'est Monsieur Wright. Mon hobby, c'est écrire des lettres. Le problème, c'est que quand j'écris, je n'ai jamais de réponse. C'est con! En fait, le mec, il se fait friendzone, il envoie des lettres à des nanas et il se fait friendzone en permanence. Alors, on va en rubis. Bon, c'est toujours sympa.
Ah, là, il y a un truc qu'on peut pas récupérer encore parce que... Il y a un truc qu'on peut pas soulever. Ouais, et là au-dessus, c'est d'avoir l'œuf sacré, il répond au son. Ouais. Au-dessus, c'est le huitième donjon. C'est le dernier donjon, il est pile au-dessus. Donc il y a les cabines téléphoniques, en fait, c'est des... Merde. C'est des zones à indices. C'est des zones à indices. En fait, on peut appeler... On peut appeler Tarquin, en fait. Et Tarquin, il nous donne des indices. Allez, bouffe. C'est gentil. Voilà, donc vous voyez, ça nous permet de passer. Hop, vas-y, mange-moi ça. Bon, c'était pas indispensable, mais je me souviens plus ce qu'il y avait dans ce coffre. Allez, mange. Voilà. Deuxième donjon. Niveau 2, grotte du génie. Voilà, et bon, vous vous en doutez, vu le coffre avec les trucs, c'est que... En fait, c'est la grotte qui nous permettra de... Voilà, de récupérer... Les bracelets de force qui permettent de soulever des gros objets. Bracelets de force qui sont assez récurrents dans la série, finalement. Ils ont mis des types de squelettes différents. C'est assez drôle parce que dans la version... Merde, ah, il faut que je me mette de dos. Ah, c'est ça. Dans la version normale, enfin la première version du jeu, comme il n'y a pas la couleur, bah tu peux pas savoir que c'est des trucs différents, du coup, bah il y en a pas des différents. Parce qu'il y avait que la texture qui permettait de savoir si c'était vraiment différent. Alors là, les boutons, en fait, ça permet d'abaisser ou de monter les... Merde. Ok, donc là on a une petite clé, ça permet d'abaisser ou monter les petits boutons. D'accord. Ok, une deuxième petite clé. Voilà, ça sent la... Ah, c'est ça, ça sentait la petite clé, on va aller la chercher celle-là. J'arrive pas à passer. Ah, faut avoir un petit peu de doigté. Ah merde, bah, ça sert à rien. Faut avoir un petit peu de doigté parce que c'est pas si évident que ça, surtout au clavier. À la manette, c'est un poil plus simple. Merde, merde. Je veux cette saloperie de petite clé. Hop, une autre petite clé. J'ai trois petites clés normalement là. Je vais bien pouvoir faire quelque chose avec. Alors. Bon, le gland, je m'en fous un petit peu parce que je suis quand même suffisamment balèze pour pas avoir besoin du gland. Et c'est tellement dégueulasse. Je me dis avec du recul. Alors là, c'était quand même un peu obvious. C'était quand même vachement obvious cette petite énigme. Alors ça fait apparaître un truc. Il y en a pas mal dans les donjons, des petits passages en 2D comme ça qui permettent de passer d'un endroit à un autre. Poing, poing, poing. Et ça c'est directement hérité de Zelda 2. Alors normalement, ouais c'est bien ce que je me disais, il y a pas de, il y a rien dans ce passage. Ah merde, j'ai le boss. Aïe. What the fuck? J'ai pas souvenir qu'il était aussi violent. What? What? Ok, d'accord. J'aurais peut-être dû prendre le gland en fait. Tiens, on va passer par là plutôt. Il y a un coffre en plus. J'avais pas du tout souvenir qu'il était aussi violent. Je pense qu'ils ont dû augmenter un petit peu la difficulté sur certains aspects. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait franchement des passages qui étaient d'une facilité. Putain, lâche-moi. Ah d'accord, c'est juste pour ça, j'aurais peut-être pas dû. C'était juste pour le truc pour compléter les statues de chouette, c'est un petit peu dommage. En plus, je suis en train de claquer. Bon, ça va, il m'en reste plein.
Il va falloir de la vie si je vais pouvoir me battre contre le salopard qui vient de me pourrir la gueule. Mais genre sale. Genre il m'a pas respecté du tout. Hop. Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît. Alors, je sais plus, je crois que ça donne une petite fée, mais c'est machin lumineux, mais je sais plus avec quoi il faut les tuer. Putain, mais je suis un abruti. Bon, bah là, je vais essayer de me concentrer, parce que franchement, avec deux cœurs, me faire le mid-boss, vu comment il est violent, je garantis rien. Ah, mais il y a les cœurs. Merde. Alors, je suis ce qu'on appelle un abruti. Alors, tu les lances pas dans le bon sens, le... Tu vois pourquoi il est lancé de là-bas, le... Pas très intelligent, tout ça. Ok, mid-boss, c'est fait, donc on a un TP. Oui, c'est un TP, j'ai oublié de le préciser la dernière fois, mais c'est bel et bien un TP. Ah, oula. Ah, la carte. Je l'avais pas récupéré dans le donjon d'avant, du coup c'est plutôt cool. Putain. Il est plus rapide que ce que je pensais, salopard. C'est un truc machin qui attire, vous avez dû remarquer. Alors, là, on va arriver à la partie où, en fait, on va finir... on va récupérer l'item, parce que je vais être particulièrement bloqué. Là, c'est des fantômes. Merde. Voilà. Ces fantômes-là, il fallait juste allumer un petit peu. Merde. Pour... s'en débarrasser, et normalement, voilà, les bracelets force. Alors, le seul souci, c'est que c'est un machin à équiper. Je trouve pas ça super intuitif, ni très agréable. Ok. Hop. Merde. Ok, encore une petite clé. Laisse-moi passer. Ouais, d'accord. Alors là, l'escalier, si je me souviens bien, en fait, il mène tout simplement... Putain de merde. Je sais. Ah, je suis un abruti. Ce passage-là, c'est pas très compliqué. Il faut juste que je prenne ce chemin, ça va être plus rapide. Il y a des plantes carnivores comme dans Mario. Tous les ennemis de Mario, en fait. Ah, un petit truc sympa, les Goombas, ils... Oh, putain. Les Goombas donnent forcément un cœur quand on saute dessus. Oui, donc... Non, tais-toi, s'il te plaît. Donc là, normalement, d'abord un lapin et en dernier un spectre. Voilà. Donc ça, j'ai mis pas mal de temps la première fois. Même les plusieurs premières fois, en fait. Oh, c'était un peu abusé, parce que normalement, je me prends des coups d'abord. D'abord un lapin et en dernier un spectre. En gros. Merde. C'est pas très compliqué. Mais il faut bien viser. Alors même si je... Si je me souviens bien... Ouais, c'est ça, on n'est pas obligé. J'allais dire, on n'est pas obligé. Il faut... Le lapin n'est tuable qu'avec le... Avec le machin... Avec les cailloux. Hop. Avec les cailloux, avec les jarres, hein, c'est des jarres. Voilà. Hop, je vais en avoir besoin de ça normalement. Ah non, c'est vrai que c'est là. Hop. Voilà, on a besoin du pot parce que sinon on n'est pas assez lourd.
Non, le donjon est pas très compliqué, celui-là. C'est juste la partie du lapin. J'ai tourné pendant... Le lapin et du spectre, quand il faut les tuer dans l'ordre. J'ai tourné pendant quelques temps. Hop. Le boss. Nanana, tu m'auras pas tant que j'aurai ma jarre. Ok. Je sais plus trop comment on le bat, lui. Ah si, faut attendre un peu. Voilà. Je ne peux pas bouger, mais je vis bien. Ta petite épée ne pourra pas me briser cette bouteille. C'est marrant, ils ont rajouté ça. Ils ont rajouté ça dans le... dans cette version, parce qu'ils disaient rien du tout dans le... Voilà, ils redisent ça, non, ils redisaient ça, ces lignes de dialogue dans la version normale. Dans la première version, pas la version normale, c'est aussi une version normale, celle-là. Putain, par contre... Je sens que je vais tellement me faire pourrir la gueule. Un demi-PV. Putain. C'était tellement sûr. On y retourne. Heureusement qu'on a le TP. Encore que le TP, il arrive pas forcément à l'endroit le plus agréable du monde. En tout cas, à l'endroit le plus sympathique en termes de distance. On va passer directement par là, c'est quand même plus rapide, ça évitera de soulever les jarres. Putain, c'est vrai que je peux pas passer vers là. Hop. Tac. C'est juste long. Pas très compliqué, c'est juste long. Ah! Je vais être full life, bande de filles de... Je veux de la vie! Donnez-moi de la vie! Ah oh non, me dis pas que... Ah, quand même! Tuc! Hop! Voilà! Bon, je suis full life et je vais éviter de faire le concon à me prendre des flammes parce que ça fait super mal. Aïe! Je sais pas si je peux me défendre avec ça, mais on peut essayer. Allez, sors de là, mon coco. Je vais te pourrir la gueule! J'essaie de me mettre toujours le plus loin possible. Ah! Oui, d'accord. Putain, le tout, c'est de pas se prendre un autre coup, là. Ça fait partie de ces boss qui sont pas compliqués, que je catégorise en pas compliqués, mais dont la difficulté réside principalement dans le fait qu'ils ont, ils font vraiment mal. Là, le tout, c'est d'éviter de se mettre. Là, il n'y a plus qu'un coup, il est mort. Non. Nice. Ah. Et le coquillard. Tu as la conque de l'écume, c'est quand même plus joli que le coquillard. Prairie, prairie, elle t'attend. Alors, ça y est, nous avons fait le deuxième donjon, on va... pas encore attaquer le suivant parce que j'ai juste un petit truc à les faire. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les hauteurs vu que maintenant on peut soulever des cailloux. Comme on peut soulever des cailloux, je vais vous montrer les hauteurs.
Ouh, le poisson rêve, sommeil dans l'œuf, là-haut. Il rêve, rêve, et ne se réveillera que si tu tiens face à l'œuf et que tu joues des 8 instruments. Ainsi seulement pourras-tu quitter l'île. Ouh. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu la gueule de l'œuf. Voilà, il a cette tronche-là. Bon, en fait, on peut pas encore rentrer dedans parce que je n'ai pas encore l'instrument qui permet de le faire réagir un minimum. Et j'ai pas encore les 8 instruments, donc il pourra même pas s'ouvrir. Mais cela étant dit, il y a d'autres hauteurs qui nous sont accessibles à partir d'ici. Merde, je sais plus si je peux vraiment y accéder. Je sais plus si j'ai encore les accès ou pas encore. C'est juste qu'un quart de cœur qui traîne. Je sais plus où. Ouais, il y en a un là. Mais je crois qu'en fait on peut pas y accéder. Ouais, c'est bien ça. On peut pas accéder à plus que ici. Par contre, je sais plus comment on fait pour accéder à ce quart de cœur. Je crois qu'il faut attendre encore un peu. Bon, il y a bel et bien un quart de cœur, mais je crois que je peux pas encore y accéder. Ça se mélange un peu. À force de le faire et refaire, j'ai l'impression que je peux accéder à partout, tout le temps. Ce qui est pas forcément vrai. Merde. Ah, la vache. T'es une petite merde, mon Link. Voilà. Par contre, là-haut. C'est vraiment une des musiques que je préfère dans le jeu, je pense, c'est les musiques des hauteurs. Je les trouve vraiment super classe. Alors, cette partie-là, je vais besoin d'y accéder. Alors, là, il y a le donjon numéro 4 qui est dans le coin. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est un autre truc. Aïe. C'est un autre truc qui traîne aussi dans le coin. Il y a aussi un mini-jeu vachement sympa, mais on peut pas encore y accéder parce qu'on peut pas encore nager. Voilà, donc là la clé, en fait le donjon est juste derrière la cascade, la clé se mettra ici. C'est ça dont j'ai besoin. C'est un TP. C'est un TP, sauf que le TP actuellement il me re-TP ici parce que j'ai que débloqué L comme destination. Mais il existe une autre destination qui est assez simple d'accès, donc là aussi ça permet d'aller de l'autre côté si je me souviens bien. Ça permet d'aller quelque part, je sais plus où. Je sais plus ce qu'il y a dedans d'ailleurs, tiens. Là, en fait les TP il faut aller débloquer les autres destinations. Ouais d'accord, je peux pas y accéder. Il faut aller débloquer d'abord les autres destinations pour pouvoir y accéder. Il y a 4 TP disponibles et en fait quand on tombe dans un TP là comme ça, on va pas prendre ça, ça me sert à rien. Quand on tombe dans un TP, ça vous envoie à la destination suivante. Sauf que comme j'en ai débloqué qu'une de destination, bah ça me renvoie sur la même. Voilà. Alors, donc je voulais faire ça. Il doit y avoir un autre truc, un ou deux autres trucs qui traînent dans le coin. On va essayer de faire un petit peu du déblocage avant de basculer sur le... sur le prochain, donc on va aller ici. Je pense qu'il y a quelque chose à faire ici, je pense par ici. Pff, les corbeaux ils se font défoncer. Ah oui! Je suis Monique la lunatique, je vends des remèdes secrets qui te feront péter la forme. C'est à combien déjà? Mon secret coûte 42 rubis, tu es intéressé? Oui. En gros, si je me souviens bien, c'est un truc qui permet de restaurer tous ses cœurs une fois qu'on est clamsé une fois. On est plutôt tranquille. Donc là, on va arriver au niveau du cimetière. Ouais. Le cimetière est pas loin. Voilà, il est là. Il y a aussi des secrets dans le cimetière, mais je vous laisserai les découvrir. Oula. Je vous laisserai les découvrir. Quelques petits trucs intéressants. Et donc là, on arrive au niveau de la prairie. Et on est du côté... En fait, ça, c'est le village juste à gauche. Ah, mais il y a... Merde, je me suis complètement raté. Il y a un quart de cœur à aller débloquer assez facilement, il est dans la forêt. Peut-être qu'on le fera au prochain épisode, je sais pas. Bon, c'était juste de la thune. C'est pas foufou, mais bon, c'est déjà ça. Voilà, et donc là, le deuxième TP est ici. Normalement, c'est celui qu'on débloque en premier, mais bon, je suis allé chercher l'autre parce que je suis pas trop... Je connais le jeu, voilà. Voilà, donc j'ai débloqué le deuxième TP. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on est allé... Merde, j'étais où?
J'ai pas encore tout visité là dans le village. Ouais. Donc là, il y a la cave numéro 1. On est allé ici pour la cave numéro 2. Plus au nord, là, il y a la cave, numéro 8. La cave numéro 3 est à peu près là où je suis, pas loin. Voilà. Donc on va essayer d'y accéder. Il faut qu'on récupère une clé, par contre. Si je me souviens bien, il y a une clé à récupérer. Et ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Donc là, il y a un téléphone. Là-bas, il y a une partie qui ne sera accessible que quand on aura les bottes. Ouais. Là-haut, il y a aussi un truc. Je vais vous montrer un petit peu un truc dans le village. Il y a une maison, voilà, qui était bloquée par des cailloux, que maintenant on peut débloquer. Et cette maison possède un lit. On peut pas encore accéder véritablement à tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais à l'intérieur, il y a l'ocarina. Voilà, petit spoil. Il y a l'ocarina à aller récupérer, mais je peux pas encore tout récupérer, étant donné que j'ai pas les bottes de Pégase. Hop, on va acheter la pelle, parce que j'ai plus de 200. Et je vais en avoir besoin pour la suite. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment on vole des trucs. Ça peut être drôle. 980 rubis, c'est quasiment le maximum. Ah, raté. En gros, ce qu'il faut faire, pour éviter d'avoir à payer les trucs trop chers, c'est qu'il faut se mettre dans le coin. Et il y a un moment... Voilà, où ils vous regardent... Et à un moment, ils vous regardent plus et enfin, vous pouvez partir tranquillou. Et donc là, tout le monde m'appellera voyou. Et si je rentre à l'intérieur, je me fais one shot. C'est inévitable. J'ai essayé plein de trucs, mais on ne peut que se faire one shot. Avantage, c'est que je n'ai même plus besoin d'y retourner. Ah merde, j'aurais dû acheter des bombes. Merde. Ah, en fait, j'aurais besoin d'y retourner. J'aurais dû acheter les bombes en premier parce que ça, les bombes, j'en avoir besoin. Et j'ai oublié de les acheter. Voilà, voilà, voilà. Donc je me ferai forcément one shot la prochaine fois. Bon, tant pis. On va arrêter là cet épisode. On s'attaquera au troisième donjon dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires des vidéos. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien.